centre défenseur. Et là. L'international Ebogo. Ça s'inscrit. Ça s'équilibre. Trouver le bon équilibre, la bonne passe, la bonne conclusion à l'intérieur. Rémi, manqué également. Un peu rapide le tir, un peu rapide le tir d'Atsena, qui aurait pu prendre un peu plus de temps. Trop de précipitation. Air pour Poyen. Kanski qui prend les devants. 4 à 2. C'est Foupap. Femba, Femba à l'intérieur, Femba. Manqué. Son dribble là. Et intercepté là. C'est déjà reparti de l'autre côté. L'intérieur. Oh oh, le passé. Pour se poser, c'est la clique de Pape. Ah, bien la corbeau. La belle récupération et. Ah, étant de distance. À l'intérieur, ça joue plutôt bien, mais la réussite n'y est pas. Pour Mangue. J'ai vu sur les cours de la violation de 15 secondes sur la remise en jeu. Vu que le chronomètre de jeu n'est pas arrêté, après un panier au fil de terrain. Attention là, elle est toute seule. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller pour Kaiski. Parce que. Le bon trip à l'intérieur. On ne trouve pas de solution. Et ensuite, forcé de la part de Jonesy. Encore un peu de temps. L'emplacement du gars qui sent Jean, que ça a fait. Il y a la table. C'est Pape qui a construit. C'est bien. Le Pape. Oh, elle était bien contrée là. On va mener à ce qu'il est venu à 8 points, 321 pour Pape. Lenteur, lenteur. Bien joué. Et ça repart de l'autre côté déjà. C'est encore le jeu. Ce n'est pas encore la fin de match. Athéna. Aeskip a toujours son mot à dire et peut le démontrer. Femba, Femba qui tourne à 12 points en moyenne dans ce championnat élite. Oh, la passe. Parce qu'il y a l'adresse, ça revient des deux côtés également. On a vu Agoumé qui a été bousculé là. C'est un championnat d'élite. Succession de maladresses. Succession d'adresses. Comme là, 3 points. On essaie de construire le jeu. Attention. Oh, oh, elle a été complète. Attention. Ça tourne plutôt bien à l'intérieur. On ressort. Et Femba 3 points. À la course. Des points extérieurs. Peut-être pour la prochaine, elle analysera mieux les bobos. Pour le moment, il faut défendre. Il y aura une remise en jeu pour Fab. Avec Lenteux, ça joue vite. Temporisé, comme vous l'avez dit, ça ne sert à rien de manquer la Pangoufak. Et la contre-attaque, Lente Majoli. J'attends ses coéquipiers, pourquoi pas. Encore une dizaine de secondes à jouer. Avant la fin, on a décidé de jouer le tout pour le tout. Pour une équipe de prendre l'ascendant avec une rencontre comme celle-ci où il y a un écart de près de 20. Pour Mungue, de l'autre côté, à l'intérieur, on pousse, mais on n'y arrive pas. Encore cette maladresse qui suit définitivement à Eskip. Oh, le repli. Comment? Et surtout, c'est une transition de jeu. Le Pape. Attention. Oh, malheureusement. Et Jamzier pour une mauvaise passe. Premier point dans ce match. Encore. Oh là là. Olivier Mbang qui ne concrétise pas. On peut reconstruire. Agoumé, Agoumé. On est en perte de solution. Du côté d'Eskip, bien ne marche plus. En effet, on compte sur les individualités.
Et de l'autre côté, la réussite hier. Et Bogo, et Bogo, et Bogo. Ce n'est pas combat. Et là, il faut rester concentré. Attention, cette remontée de balle. Pobla. Pemba, Pemba. Oh, la balle. Oublie dans le trip. Et Bogo, non. Et là, c'est reparti avec Kobla. Kobla. Et Bogo qui se démène, demande le ballon, mais ne réussit pas à l'avoir. Dans ce troisième carton. Attention, shoot. On dit désespéré là. De Fumba. Plus osé que désespéré. Lorsqu'on a une belle avance, on peut se permettre certaines folies. Suivi. Fumba, on peut forcer sur cette action. Elle avait le temps, elle aurait pu juste stopper la contre-attaque et poser le jeu. 3 points, le Boga, qui ne s'en sort pas face à 3 mastodontes et Bogo qui récupère la balle. Oh! Bien joué. Et Bogo, à l'intérieur, ça joue. Pour un jeu à deux avec Kobla. Pour cette formation. Skip, la remise en jeu. Attention à Goufak là. Pour Fab. Après 4 minutes. Ouais. On est reparti sur les bases du premier carton là. Et ce n'est pas faute de n'avoir pas tiré, c'est juste. On est reparti avec Kobla. Kobla, Kobla. Il se dépense plutôt bien. Avec plus de 30 minutes disputées. Nous avait pourtant habitué à au moins 50 points lors des 2 premières journées. Mais c'est stoppé à 38 lors de la 3e journée. Dans cette rencontre, on va se contenter des coups d'éclat de quelques joueuses de cette formation de ASP. Mais je ne pense pas qu'on aura plus. Oh, quel passing! Le passing facile. Et de l'autre côté, toute seule. Qui inscrit ses premiers points. Dans et les premiers points même dans ce 4e carton de l'équipe de ASKIP. Qui... Encore 2 minutes et pratiquement 50 secondes. Et là, la belle passe trouvée jusqu'à Bogo qui fonce et à Bogo la qui pour escape à l'intérieur. Manqué également et Bogo toujours au rebond. Lonteux peut-être pour ses premiers points. Lonteux, elle préfère passer. Il faut rester lucide. À l'intérieur, oh, le con. Pumba, elle fait tout, décidément. Qui se battra jusque la fin. Il est déjà à plus de 35 minutes. Disputé, attention. Et... Oh, l'oubli défensif là. Et on n'a pratiquement plus rien à jouer. Mais on s'efforce de grappiller quelques points.